Donc tu fais Start using Manage Filter. Connect to Twitter. Merci de le faire à une compétition. L'avantage, c'est que c'est gratuit. Donc là, tu vas rentrer ton nom d'utilisateur et mot de passe de Twitter. Donc là, je devrais le faire directement vu que je suis connecté sur. Voilà. Donc là, il va calculer tout simplement. Donc, tes Twitter, il va faire importer ta liste de contacts. Donc. Ah, tu es à 2062. Okay, donc Ouais, tu dois être en ce moment justement barré à la limite des 2000 dont je te parlais. Hein. Ok, il y a des petits trucs pour passer par-dessus, justement, faire le ménage en est. Tu vois, comme là, par exemple, tu as 610 personnes que tu suis, mais qui ne te suivent pas. ouais. Sur la gauche, ici, effectivement, tu as premièrement ceux qui ne te suivent pas. D'accord, les En notes deuxième, tu as ceux qui n'ont pas d'image sur leur profil. mmh. J'ai souvent des comptes un peu bâtards. En troisième, c'est ceux qui sont inactifs. Ouais. Donc ça, c'est ceux qui n'ont rien dit sur leur Twitter depuis plus d'un mois. Donc je peux déjà les supprimer tous Bah déjà, ceux-là. ceux-là, oui, ils sont pas très ils sont pas très présents. Hein. Mmh. Ceux qui parlent beaucoup et ceux qui parlent pas beaucoup. Et finalement, pour voir tout le monde. Ok. Donc par exemple, si tu vas sur les inactifs. Ouais. Tu as 175 personnes qui n'ont rien dit depuis un mois. Okay? Sont Tu très fais présents. expand à droite. Tu click and grab toute la liste, tous les petits carrés. Non, 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 non. Tu vois en haut, il y a des petits carrés avec toutes leurs images. Ouais. Click and grab, c'est tu. Comment on dit en français? Voilà. Cliquer et glisser en Merci. fait. Ok, J'avais et tu pas vas voir en haut, vu. ça va être marqué unfollow sans select. Ah ouais, carrément. Et après, je peux désélectionner si je veux en fait un. Voilà. En fait. Ah, ok, c'est pas mal ça. Et du coup, il unfollow tout seul pour toi. Oh, c'est top ça. Et tu vas ensuite sur la deuxième page et tu unfollow ceux de la deuxième page. Et comme ça, tu peux en unfollow autant que Faire tu veux. ensemble en fait. Ouais, c'est très bien ça. Mais alors quand tu dis tu fais une liste blanche, ça veut dire que tu les rajoutes, tu Ça te veut dire crées que tu fais une liste de gens que tu ne veux pas effacer. une. Des li listes de gens que même si eux te suivent pas, toi, tu veux les suivre quand même. D'accord. Tu sais, il y a des comptes comme ça qui sont super intéressants, mais qu'ils ont comme politique de pas suivre tout le monde. Oui, bien sûr. Hein. Bon, et à ce moment-là, ben, toi, tu veux pas les enlever. Et si tu faisais un gros ménage, comme par exemple les 600 tout à l'heure, que tu les enlevais tous, ben, il y a des chances que là-dedans, il y en a quelques-uns que t'avais pas envie d'enlever, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais déjà, le fait d'avoir toute la visualisation des images, là, des profils, on passe dessus, il y a le nom, donc moi, je sais que je reconnais un peu les. Oui, ben, toi, t'as quand même une bonne idée de qui est qui, quoi. Ouais, Mais c'est ça. sûr que quand on a 1500, 2000, ça va bien. Moi, je viens de passer la barre des 5000. Je peux peut-être moins, je m'amusais à les regarder un par un, quoi. Ouais, c'est clair. Quand ça reste dans les centaines, ça va. C'est pour ça. Donc, tu vois, moi, j'ai tout avantage à me créer maintenant une liste blanche parce que, justement, ça commence à faire beaucoup de pub, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, tu pourras jouer dans ce petit logiciel-là. Il va te permettre. Et tu as des outils qui te permettent, en bas, de faire des recherches. Comme par exemple le Bio Search, en bas à gauche. Shuriken. Et là, à ce moment-là. Je peux faire des recherches sur des noms, sur des Voilà. projets en fait.